intéressant là-dedans et pas grand-rien qui pique grave que l'on peut pas vivre sans espoir, et c'est dans ça nous y est journée aujourd'hui. Alors merci, merci le fait que nous toujours été fidèles à Espasa, merci que nous couons dans Caraïbes, nous couons dans Ramassé. Pour nous servir, alors c'est ça nous fait depuis des années, c'est ça nous continuer à faire. Depuis, bon Dieu, ben nous, courage, bon Dieu, ben nous, la santé pour nous faire, nous continuer à faire, parce que tout autant nous parlons Haïti changer, c'est tout autant nous en bataille pour s'apparer tes gens hier. Alors, on a salué tout collaborateur immédiat, nous, qui permettent que nous là, jeudi, hein. Non, on a commencé par mettre en nom de nous, Lovensky, jeudi, on a passé par Citoyen ça qui mettait nous live sur Facebook, et on a parlé de Carlin Trésil, on a parlé tout de René Antoine Lerbourg et Fanor Kabe qui permettent en rediffusion le dimanche soir ou qu'attendez émission si là. Nous saluons toutes les équipes qui avaient maintenant photographe, etc. Toutes, monsieur, salutations à nous et nous saluons tout James C. Collection, même si collection qui n'a pas l'espinasse, n'a avenue Christophe, qui habille, même si c'est pas chaque jour, mais c'est négligence pas, non, puisque nous avons des chemises qui répandent là. Et dans James C. Collection, nous pouvons passer pour mais James C. n'a pas vini, c'est PIA qui te fait que nous sommes tellement encombrés, tellement occupés, et puis il y a des espaces tout. Qui pas te qu'on pas de capacité qui fait que nous pouvons jamais passer mais n'a venu quand même merci à vous même vraiment merci à toutes fidèles parmi des fidèles parce qu'il y a des monde qui dormit à radio qui levé avec elle qui même cassé bouton sous Caraïbe FM merci que nous continuer faire une confiance et merci à station partenaire Sayo qui est un petit peu partout à travers le monde nous pas qu'à dire la République seulement parce que y a tout partout dans des zones gade côté kapri lem pou di ke attenden moi saisi tellement ces deux zones pas même qu'on cité gen haïtien la dan vraiment compliment à nous toutes nous saluer radio transparence nasodo nous saluer radio télévision akajou na laskaobas nous saluer radio liberté na limbé nous saluer maximum fm na boston nous saluer radio concorde na boston radio de la communauté de la Chapelloise, évidemment La Chapelle, député Hermano Exinor. Nous saluons Radio La Voix du Seigneur dans Jérémy 99.1. Nous saluons Radio Kina 90.7 qui avait longtemps à Quin. Radio Tête Ensemble qui n'a 92.9 et puis 105.5 Fort Myers. Nous saluons Radio Voix Mercier Hippolyte dans Florida. Radio Symbole 99.1 dans Cavaillon. Radio Télé Rossignol 88.7 dans Cerca Cavajal. Député Aroudon, bien-aimé. Nous saluons Radio Téléo 99.3 Petite Rivière de l'Artibonite. Nous saluons Radio L'Union 97.5 Saint-Marc. Nous pas jamais oublié L'Union qui était ben non très bon ramassé dans Saint-Marc. Radio Miroir Inter 97.7 Boucan Carré. Radio Repo FM 93.1 Boucan Carré. Radio Tweet FM 88.5 Jacques Mel. Radio Maguana 102.9 Nord-Est. Sénateur Ronald Larèche, Radio Classe Brookton, Massachusetts, Radio Télénativité 101.7 Montbécouche, Haïti Publicité Kedner Steven Queen, c'est Long Island, New York 94.1, Radio Métro 104.5 Saint-Michel de la Talaye, Radio Pérédo Inter 98.7 Pérédo Marigo, Radio Joam FM Las Caobas, Radio Rêve 2000 99.7 Bassin Bleu, Radio Télégamax Live à Montréal, Radio Constellation 99.5 dans Belader, Radio Marmelade Inter 91.9 dans Marmelade, Radio Villa de Castor RVC FM 99.1
1, Jonk Dodin Akin, Radio Bruno 88.3 Belance, Radio Bonzenzen, North Miami Beach, Florida, Radio Fraternité 98.5. Pour salut, Radio Génération 88.9 Port de Paix, Radio Haïti News New York, Marmelade, Radio Victoire FM 101.3, troisième section Macquarie, commune Marigot, Radio Compact FM, alors on dit Marigot, on peut passer si Marigot, son ville rebelle comme ça, Marigot prend part à tout mouvement de protestation qui gagne, et aller un peu loin même, Radio Compact FM 101.1 en sapitre, Radio CND 103.5 Jérémy, Radio Mélie 101.1 Jérémy avec sénateur Sorel Jacinthe, Radio Terra FM 89.9 Jérémy, Radio La Prophétie qui n'a Beaumont, Radio Grafa Marie, Radio Perfection FM dans Port de Paix. Nous saluons Port de Paix qui t'a gagné en gros manifestation hier tout. Radio Modèle, Spring Valley et Zertoussin. Radio Notre-Dame, Dame Marie. Radio Télé 1804 Haïti.com New York City. Avec notre ami, notre grand ami, Zami Pan, Zami Radio à Don Rocher. Radio L'Antibonite 103.3 Saint-Marc. Radio Dani FM 107.3 Goumon. Radio Rayon 98.3 Marchand des Salines, Radio Feeling 91.5 Limbé, Radio Ozone 2107.9 Verette, Radio Antibonite International New Jersey, Radio Tropical Inter 95.9 Cap-Haïtien, Radio Fantastique 95.7 Port Margot, Radio Famille Inter 95.9 Petite Rivière de l'Antibonite, Radio Télécampèche 95.5 Petite Rivière de l'Antibonite, Radio Télécampèche 95.5 Las Caobas, Radio Wanavision 88.9 Wanamet, Sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, Radio Mosaïque FM 88.1 Guyane Française, Radio Préférence 107.5 Petit Gouave, Radio Voix de la Communauté Haïtienne 1490 AM Bradenton Florida, Radio Levé Campé 88.1 Hinche New Jersey, Radio Fraternité 93.5 Port Salut, Radio Planète 99.9 Cap Haïtien, Radio Francique FM 109.5 Vineland New Jersey, Radio Royal Fort Liberté 105.3, Radio Pyramide Inter 91.7, Long Island New York, Radio Avancement FM 97.9, Saint-Raphaël, Radio Mix Family 104.7, Aquin, Radio Flambeau Inter Continental 104.1. Quatrième section, Savane et Savannah Roche, Petite Rivière de l'Antibonite, Radio Antibonite International 99.3 New Jersey, Radio Passion FM 98.5 Mirambalais, Radio Vesta 95.7 Bombardo Police, Radio Fantastique 95.7 Port Margot, Radio Tropical Inter 95.9 Cap-Haïtien, Radio Télévision RCH 23 107.5 Miami, Radio Télé Delta 105.7 Saint-Marc. Nous connaissons que nous pas vraiment cité tout grand pile qui pral écrit. Pas de problème, nous mettez écrit moi pour m'ajouter nous au fur et à mesure que n'a gagné pour nous relever. Alors vraiment, merci, merci de fidélité. On nous dit, pour nous commencer, et on a dit revue de l'actualité de la semaine, seulement hier, t'es pour contre lui, t'as qu'à faire ramasser journée aujourd'hui, tellement t'es gain événement dans la ville là hier avec manifestation encore gigantesque définitivement pendant ces trois vendredis et adjectifio marqué nous pour nous expliquer volume moun qui sorti dans la rue, sorti gigantesque Liban,
sous dit tout foule immense Liban, bon regardez mon calé jusqu'à parler de plusieurs centaines de milliers, sincèrement la difficile pour nous faire tête nous une idée de vraiment quantité monde qui sorti encore une fois dans la rue, pas seulement dans Port-au-Prince. Port-au-Prince, et chaque branche manifestation qu'on regardait, on dirait c'était la manifestation elle-même, et nous féliciter en pile média, télévision, tout, qui fait une couverture hors pair, qui permet même sur t'es la caillou, qu'on t'es capable de garder image tout partout à l'aide de drones, Pacifique et Fel, compliment. Qui te permettent que nous ouais et événements yo alors gagné côté le pas de couvri mais nous t'ai gagné reporter non mais l'a regardé sous vidéo qui presque viral sous réseaux sociaux cap montre par exemple branche manifestation tap tout Carrefour son ville qui était printemps pour te mobiliser dans cadre gros mouvement de protestation et d'abord qui était commencé pour mander côté COP Petro-Caribe, mais une fois que rapport cours des comptes fin sorti côté au bail quelques indices pour ne pas même dire preuve de côté l'argent taillé et ben mon yo canalisé sur le premier d'entre nous et nous comprenons ça, nous pas capable faire procès, nous pas capable juger monde et puis nous quitter chef là le ça et sincèrement c'est pour aller un procès biaisé, nous comprenons ça et depuis le ça c'est foule immense tout partout. Donc nous te ouais en pile monde t'a saut Carrefour, nous t'a regardé manifestation t'a saut route frère tout c'était en pile monde, nous t'a regardé ça tout ça tap sot champ de masse pour te monter Pétionville, tout tap converge en seul côté, en pile monde, nous tap gardé tout ça que tap sorti, canapé vert, en pile monde, ça que tap descend 15 coffres pour venir river Pétionville, grand pile qui paraît ici river, puisque nous connaissons gagné en zone, ta cap dit No Man's Land, qui dans zone, et Pèlerin 5, c'est lieu de résidence président de la République là. Et hier, on dirait que pays a été convergé vers Pèlerin 5. La police a fait tout ça qu'on est pour ne pas permettre que Mouniote ait accès à zone ça. Nous pas parler de Cité Soleil tout qui était sorti en masse. Vidéo là pour témoigner. Nous avons tout sur les réseaux sociaux. Et ça qui a sorti Carrefour aéroport. Vraiment. Tout tap convergé en seul côté aussi bien te mandé est-ce que Pétionville ka recevoir Ntakabdou et déferlante manifestation ça foule innombrable ça qui tape monté vers Pétionville et de fait gain qui pas réussi river tout en pile gaz la police dans un premier temps avait eu un comportement que nous t'ai qualifié dans l'intersection là n'a pas fait couverture là de bon enfant puisque en pile côté nous t'ai ouais yo accompagné manifestant yo et j'aimerais m'en dit le tout depuis pas gagné provocation pas gagné gaz qui a tiré à Triboy à Babor, Jean la police RMFL, et un ben mon yo passé et en bon enfant tout n'a pas gardé même devant Best Western c'est une image en vidéo qui lui-même tout viral sur les réseaux sociaux côté où montre mon yo t'a passé et puis yo t'a parlé à l'aide de mégaphone sous avec la police pour dire c'est même bagaille noyé nous pas gagné avant ça n'a pas demandé à lui concerner autour, c'est un mieux être puisque conditions à vivre pas bon. D'ailleurs, autant que le président tellement va faire nous confiance, c'est blanc que le voulait chercher pour bal sécurité, que la paye volume l'argent, alors que nous-mêmes, nous pouvons même qu'à toucher, nous dans la rue, on a matraqué, bastonné, et freinons avec gaz, avec coup de bâton, alors qu'on avait attiré autour, ça arrive de plusieurs côtés, alors que c'est même cause là, nous t'a dû défendre, nous, petites soeurs, même gens, c'est des paroles qui étaient vraiment très touchantes. Et mon yo t'est passé sans on roche pas de voie. Évidemment, t'as pral bon incident qui pral éclater au niveau de Delma 66, c'est Delma en face, c'est 95, c'est
côté gagnent des mouns peut-être mal intentionnés, par contre ça passe dans la tête, foule innombrable ça, ou a dit qu'al voye wash sou yo, yo te assiégé zone nan, nous te très paniqué pour moun qui retourne dans ça, avec une foule manifestation qui tape vous et Wash en direction de côté Wash a été sorti en sous forme de provocation hein. Pendant plusieurs minutes, plusieurs de longues minutes, c'est vraiment en zone qui était assiégée. Oui, son thème de guerre, mais c'était ça. Ah, Jean, notre collaborateur et ami, et remarqué, t'es fait remarquer hier. C'est en pile Wash, et t'es même arrivé, mettez du feu dans un édifice qui était devant. Apparemment, Wash était sur tout là tout. Donc, il a fallu l'intervention des sapeurs-pompiers et même, pas passé, c'est des unités spécialisées de la police nationale qui étaient débarquées pour vine et en renfort, sécuriser périmètre là pour que y aurait six circonscrits et du feu ça qui était fait de bonnes minutes à propager dans tout cas. Elle a dit que son dépôt qui t'a stocké des provisions alimentaires probablement son perte énorme qui fait là tout seulement parce que t'es une provocation, parce que mon yo t'a passé et nous t'es constaté sous télévision, yo t'a passé d'accord, dit, avec en pile de sagesse, y'a t'a parlé, ces messages y'a t'a passé, pas de gain violence qui était déclenchée avant incident ça. Nous t'es très inquiets, les nous gardés volume monde qui était sous place Saint-Pierre Pétionville, et nous, ouais, la police qui était, mettait plusieurs cordons de sécurité, y'a fait plusieurs colonnes, y'en des lots, et puis mettait des chars blindés, et sous ti route très étroite qui menait vers les hauteurs de Pétionville en direction de Pèlerin, justement, côté président Rété, y'a été ceinturé, petit bout de route ça, de façon à ce que manifestants yo qui étaient déterminés pour yo monter, ça pral causer des échauffourées, en pile plusieurs manifestants blessés par incident blessé, et la police était obligée d'être sur le qui vive pendant de très bonnes heures jusqu'à la tombée de la nuit. Là aussi que par une manifestation encore et même des tentatives mon yo était vexé, énervé, ça prend gaz, sac blessé par balle en caoutchouc, en plusieurs blessés, t'es même tenté mettre du feu dans l'hôtel Kinam qui tout près, hein, puisque c'est devant Kinam qui était théâtre et opération ça, on a dit petite guerre ça entre la police et les manifestants qui tapaient ben à coup de roche parce que ont été énervés, ont pas de cas monter car le président gagne qu'elle fait tentative l'autre zone pour essayer monter pour venir perdre, mais c'était très très compliqué. Donc c'est montré comment sécurité président vraiment exposé n'a persisté à résister à la fureur, alors l'homme dit fureur là c'est colère là, à la colère de la population qui vient certainement furieux le fait que président Pavlé tant des raisons et c'est tout pays a qui levait, donc c'est comme ça, ça t'est passé journée hier, là. Grand pile moun, qui tentait, qui allait nos exercices de comparaison de quantité moun qui t'est sorti vendredi dernier par rapport à hier, moi perdu chez la donne, et un pile moun croit que hier t'es gagné plus moun encore que vendredi dernier, plus monde que vendredi dernier, et de fait, moi, pas quoi, tout à fait ghetto, même si m'paka, de manière exhaustive, évaluer densité monde que m'te wè dans la rue, mais j'aime tap dire tout à l'heure, alors regardez chaque branche manifestation ça yo qui t'a essayé converger vers Pétionville, on a comme l'impression que on seul là te suffit et pour te dire ces manifestations hein, donc t'es gain vraiment en pile monde, et on dirait que
plusieurs villes de province fait même expérience là. Jacques Mel, nous t'ai parlé à notre ami, collaborateur Serge Pierre-Louis et aussi notre correspondant dans la ville, Elie Lorveus, qui t'a fait croire que c'est de mémoire d'homme, c'est première fois y aurait moun sorti comme ça Jacques Mel. Et m'a le temps d'expression ça yon nan à peu près trois autres villes encore. Moi tande le tout pour Miragouane qui dit en pile moun sorti. Moi tande le tout pour Cap-Haïtien, surtout Cap-Haïtien, correspondant yo kap mande plusieurs stations que m'te bay tèt mwen le soin. Lèm vin fè intersection pour m'te continuer tande, correspondant yo tout tap répété presque même parole là. Est-ce que gen moun ou kap ki rit la kayo encore avec ça n'ap gade à la Saint-Marc, t'es gagné un incident plus que malheureux, nous regrette et nous ouais un chiffre 16 qui a dominé l'actualité depuis quelque temps, 16 ans, on dirait que jeunesse a condamné puisque encore hier après triste événement que nous connaît l'hôpital général, jeune garçon de 16 ans ça qui mourit enchaîné l'hôpital général évidemment par manque de soins, puisque l'hôpital général, son côté, on dirait que des pour besoin mourir plus vite, c'est là pour aller, parce que pas de soins du tout, pas de soins. Et bien, hier encore, à Saint-Marc, un jeune qui était sous barricade, lui, c'est Douale pour la protester, parce que lui, ouais, avenir menacé, lui, pas rien qu'à régler pour lui. C'est Douale pour le sortir dans la rue, pour le protester, pour le mandon mieux être, un changement de système qui peut-être, lui, pas une garantie, mais qui peut-être qu'a offrir le lendemain meilleur, Jouli Joubert, ce jeune de 16 ans, nos pensées, nos prières sont avec cette famille qui est dans le deuil aujourd'hui, tant coup, nous, ça t'est choqué pour ça que t'es passé l'hôpital général, un jeune garçon de 16 ans. Alors, loi qu'à comprendre, essayez de mettre en place parents, ça, qui, gonti, mon a préparé, crivé dans l'âge, ça, et qui a exercé un devoir de citoyen pour le sortir, manifester, et puis, voilà, ça le joigne, y a un commando, y a accusé des agents de l'UD Moladan, qui t'a 6 balles sous mon yo, gen l'autre qui blessé, parce que, n'a pas gardé des images qui viennent joindre nous, côté gen 20 moun qui bombardé, certainement pensé c'est balle en caoutchouc, mais gen 2 balles réelles qui t'est tiré tout, et c'est yon nan projectile sa yo qui atteint jeune de 16 ans ça, qui succombait à ses blessures, manifestant yo en colère, t'es parcouru toute ville là avec cadavre, jeune garçon ça, et en réaction, yo t'es émetté du feu. Non, alors les noms dit 2 BNC, gen youn, c'était ancienne da, yon collé à l'autre presque en face l'autre. Youn, c'est ancienne nan, et puisque BNC reconstruit en l'autre, et puis l'autre là, ces nouvelles là, bon, intervention rapide des autorités, t'es circonscrit du fer, mais population t'es en colère dans la ville Saint-Marc qui, depuis quelque temps, Saint-Marc t'es lancé, t'es obéi à opération mette cadenas, plusieurs édifices dans la ville là, yote déjà cadenassé. Moi dis, Jacques Mel, t'es gon gigantesque manifestation aussi, Léogane, manifestation, Port de Paix, manifestation, en pile ville, c'est côté nous gagne image, yon nous surtout parler, mais gagne des auditeurs de partout qui voyaient image, manifestation dans Villio, dès que c'est pour nous dire son bagage gigantesque qui était fait un petit peu partout à travers le pays hier. Alors, c'est vrai, pendant que Mounio était dans manifestation, mais la ville de Mianbalet qui aussi était manifestée, mais les manifestés contre le président, mais en même temps, les tapes manifestées colère, les indignations, déceptions, ni contre sacrivé journaliste Néhémie Joseph qui c'est vraiment un coup dur pour société Mianbalésienne et pour pays en général
parce que les n'a pas prendre comme qui est l'ITE, c'est un jeune garçon qui était très impliqué dans la société, dans la ville là, qui était plusieurs activités et qui étudiant, qui ouvrit l'école, qui gagne plusieurs bagages qu'elle t'a réglé, en plus qu'elle était animateur dans Radio Panique de Miambalem, elle était correspondant tout, radio, correspondant, Radio Méga dans Port-au-Prince. Donc, c'est citoyen ça, que mon rejoint assassiné dans course arrière, propre machine ni, et dans la ville Miambalem, c'était avant hier au soir, bagay ça, t'es véritable consternation dans la ville là, jusqu'à matin encore, nous t'es en conversation avec député et des Colin Abel qui t'a dit que Mounio, depuis même jour soir ça, c'est un pile bagay qui t'a passé dans la tête, yo, t'es envie à le réagir, etc., bon, proche pouvoir. Donc c'est un pile appel local qui la cause que pas gagné. Plus ce bagaille qui passait, et donc journaliste Radio Panique, mis en balai, correspondant Radio Méga, qui tuait et qui mourit jeudi soir vers 8h30 à proximité de Parc Bayas. Victime n'a été recevoir 2 balles et journaliste l'a été enlevé d'abord par des individus armés avant d'être exécuté vers 19h30. Son corps ensanglanté a été retrouvé dans le coffre de dans le coffre de son véhicule. Un scandale. Alors, il y a en pile protestation, en pile message d'indignation que nous avons enregistré à la suite de ici là, gagnant représentant Elliot Engel, qui est président de la commission des affaires étrangères du Congrès américain, qui s'est dit outré par l'assassinat du journaliste Néhémie Joseph. Il demande à Jovenel Moïse et à son équipe de protéger les journalistes et de s'assurer du respect de la liberté de la presse en Haïti. C'est ça et représentant dit, mais ça peut-être représentant pas connaît, c'est que Jovenel Moïse presque n'a pas dans situation même tête libre pour protéger, puisque nous ouais, c'est vraiment un malade que c'est béqui la police a bail pour kembe Jovenel Moïse qui pas cap protéger en rien côté lié à qui presque pas gain contrôle en rien en main. Et sous ça gain l'Association nationale des médias haïtiens ANMH et l'Association des médias indépendants d'Haïti AMI qui dit ont déploré et ont condamné assassinat journaliste Néhémie Joseph. L'Association des médias indépendants d'Haïti AMI et l'Association nationale des médias d'Haïti ANMH ont appris avec stupéfaction l'assassinat du journaliste Néhémie Joseph le jeudi 10 octobre 2019 à Miambalem. Les premières informations disponibles font état d'une exécution par arme à feu. Animateur d'une émission sur Radio Panique de Miambalem et correspondant de Radio Méga, le journaliste avait fait état de menaces reçues dans le cadre de son travail. La NMH et l'AMI déplorent cet assassinat, un de plus dans les rangs de la presse, et présente leurs condoléances aux parents, amis et confrères de Néhémie Joseph. L'AMI et la NMH condamnent avec force cet acte odieux qui vient s'ajouter aux menaces et autres agressions que subissent les organes de presse et les journalistes sur l'ensemble du territoire. En raison des informations laissant croire que le journaliste avait fait l'objet de menaces avant son assassinat, l'Association des médias indépendants d'Haïti et l'Association nationale des médias d'Haïti appellent la police et la justice à faire leur travail pour que toute la lumière soit faite sur cet assassinat et pour que justice soit rendue à Néhémie Joseph. D'une façon générale, l'Association nationale des médias haïtiens, ANMH, et l'Association des médias indépendants d'Haïti rappellent aux autorités constituées qu'il leur revient de tout faire pour garantir les conditions de sécurité pour tous les médias, pour tous les journalistes et pour le pays et pour tous dans le pays.
L'AMI et la NMH demandent aux journalistes et aux médias en général de continuer à faire leur travail si indispensable à l'information de la population et à faire preuve de vigilance et de solidarité. Fait à Port-au-Prince, le 11 octobre 2019, Franz Duval, président à NMH, Georges Venel Remaret, président AMI, qui sortit notre sila. Alors, on dit que secteur démocratique et populaire là, dressé un bilan provisoire de journée mobilisation 11 octobre là, pour le dire, c'était un exceptionnel succès populaire. La population y a répondu massivement. D'un autre côté, ils ont condamné le comportement antidémocratique de certains agents de la PNH à la solde du pouvoir en place. Tous les policiers fautifs seront traduits par devant la justice pour répondre de leurs actes de violation des droits humains. 5 personnes ont été tuées à travers le pays, dont Julie Joubert, alias Carlos, un adolescent de 16 ans à Saint-Marc, une quarantaine de blessés et une trentaine d'arrestations sont dénombrées à travers le pays. Nous prions les familles victimes de bien vouloir accepter nos sympathies. Nous saluons la détermination de la population et nous annonçons pour bientôt le soulèvement général des masses populaires haïtiennes. Le pays va rester mobilisé et paralysé jusqu'à l'installation du gouvernement provisoire qui créera les conditions indispensables à la réalisation du procès Petro-Caribe et l'organisation de la conférence nationale haïtienne souveraine pour jeter les bases de l'émergence d'un nouveau projet de société dans l'intérêt de toutes les couches sociales de la nation haïtienne. La solution à la crise politique actuelle passe par la démission immédiate du président Jovenel Moïse. André Michel, avocat, porte-parole du secteur démocratique et populaire, qui signe notre SILA. Parlant de secteur là, nous avons parlé de alternative consensuelle là pour la refondation de l'État, qui j'en ai été promettre li avant hier jeudi, yoté bail en conférence pour yoté présenter commission de passation de pouvoir là que yo créé, c'est en présence en pile monde, donc en commission de 9 membres et qui créé à cet effet. On nous dit que dans l'intervalle tout et la présidence t'est créée pour commission de dialogue qui gagnait comme président Evans Paul et comme porte-parole Rodolphe Joisil, ancien officier des forces armées d'Haïti, ancien ministre de la Défense, ancien et président de l'Assemblée nationale qui la donne, notamment avec Josué Pierre-Louis et gagné l'autre membre encore, Liberus et puis Jude Charles Faustin, bonhomme Sactérine qui me dégage samedi, et l'autre membre encore qui n'a commission si là, mais notez ouais que et la classe politique dans son ensemble rejeté commission hein? Et d'ailleurs hier ça a fait dans la rue a montré que jodia étape commission y a parlé à son bagage qui passé mode qui pas dans bataille coulier. Et puis l'autre fait dans l'actualité hein? Bagage dit l'autre gros événement c'est plus d'une centaine d'organisations, on nous dit 107 pour être plus précis, une centaine d'organisations y en a plusieurs domaines, défense droits humains, il y en a organisations patronales, syndicales, paysannes, universitaires, membres de la société civile là, qui a travaillé longtemps, plusieurs réunions nous au courant de ça, que il a travaillé longtemps pour y être et sorti et travaillé ici là.
on travaille et que y aurait un public hier, que y aurait les déclarations pour un gouvernement de sauvetage national en clair, côté 105 organisations très représentatif de société, hein? Naturellement, on bagaille qui de prix en compte. Yo mandé président Jovenel Moïse pour le démissionner, mais c'est pas ça seulement. Yo gagné dans déclaration de sauvetage national, ça. Haïtiennes et haïtiens d'Haïti et de la diaspora, l'heure est grave, que yo écrit, la situation de la Banque nationale est plus que jamais en péril, défaillance absolue de l'État, d'élaborer de l'administration publique, corruption, débridée, dégringolade de la goutte, brutalité accrue de la vie chère, aggravation de la misère matérielle et morale, frustration grandissante, colère et révolte de la population exprimée depuis plusieurs mois à travers des manifestations récurrentes, amertume de la jeunesse laissée pour compte, détresse des chômeurs révoltés, désespoir des enfants abandonnés dans les rues, en feu, blocage total du fonctionnement de tous les secteurs, fermeture récurrente des écoles et universités, et magasins, hôpitaux et certains et centres de santé, dysfonctionnement douloureux de la vie sociale et perte en vie humaine, destruction des biens privés et publics, champ libre au vol, viol, tuerie et assassinat perpétré par des gangs armés, amalgame de violences socio-économiques, gouvernementales, claniques, populaires et revendicatives, perte de confiance absolue entre la population et le gouvernement, Haïti se trouve plongé dans une situation chaotique annonçant une catastrophe humanitaire imminente. La grande majorité des organisations de la société civile, des groupes politiques, des associations patronales et professionnelles, des groupes de jeunes, des syndicats, des universitaires, des groupes religieux de différentes confessions, des groupes de vaudoïsants et des loges maçonniques constatent que le pays n'est pas dirigé et que le gouvernement a perdu le contrôle de l'appareil d'État, non signataire de la présente déclaration, tout aussi indigné comme cette grande majorité de la population par la chute libre de la société, nous invitons tous les secteurs à s'unir en un seul bloc solidaire autour de cet appel afin d'engager des discussions approfondies en vue d'une solution durable à la crise, tout en exprimant nos sympathies aux victimes de la situation. Nous demandons aux autorités publiques et à toutes les forces sociopolitiques du pays de répondre à cet appel patriotique, de s'élever à la hauteur de leurs responsabilités, de se poser en acteur citoyen responsable et d'accepter les sacrifices nécessaires à la résolution de la crise. Au nom de la nation, nous nous adressons à vous, 1. Monsieur le Président de la République, pour reconnaître la faillite de votre gestion, de la chose publique et vous appeler à remettre la nation votre démission. Mesdames, Messieurs les parlementaires, pour reconnaître que la faillite de la 50e législature a grandement contribué à la situation désastreuse que vit actuellement le pays et pour vous demander de constater la caducité du Parlement actuel en renonçant collectivement et immédiatement à ce qui reste de vos mandats. 3.3. Compatriotes de la société civile, pour vous convier à participer à l'établissement d'un accord politique dont l'objectif principal est la mise en place et l'accompagnement d'une transition pacifique et ordonnée. 4.4. Compatriotes de l'opposition politique, Haïti a besoin de vous. La patrie commune a besoin de vous, de votre patriotisme, de votre sacrifice, de l'intérêt personnel au profit de l'intérêt national. Agissez
au nom de la nation, pour la nation, avec la nation, pour que le pays arrive à mettre en place un gouvernement de sauvetage national dont les objectifs principaux devraient inclure 1. Le rétablissement de l'ordre public, la sécurisation du pays, le retrait de la carte d'identité illégale, la tenue d'élections générales libres, transparentes et honnêtes, la dépolitisation de la PNH, le démantèlement des gangs armés, l'instauration de l'autorité de l'État, le renforcement des dispositifs de protection des droits humains, le redressement de l'administration publique et la régularisation du fonctionnement de nos services publics. La mise en œuvre d'un programme d'urgence au bénéfice des groupes les plus vulnérables, la relance des activités économiques, la mise en ordre des finances publiques, le suivi des dossiers liés à la gestion des pétro-caribés et de tout autre dossier relatif à la corruption et au détournement des biens publics, la réorganisation du conseil électoral et la garantie de son fonctionnement sur une base non partisane. L'accompagnement des partis politiques en vue des prochaines élections, l'organisation de la conférence nationale, base organisationnelle, nationale, consensuelle, terme de référence et méthodologie, réalisation effective, la préparation et le vote d'une nouvelle constitution, la réforme du système judiciaire, en commençant par les actions immédiates à prendre pour mettre fin à la culture d'impunité entretenue par notre administration judiciaire, l'harmonisation du cadre de la coopération. Oui, l'harmonisation du cadre de la coopération avec les politiques publiques et la coordination effective de toutes les assistances économico-financières de la communauté internationale indispensable au redressement de l'économie du pays, la mise en place d'une diplomatie moderne, responsable et efficace au service des intérêts du pays et de ses ressortissants. Chers compatriotes, le retrait de l'équipe dirigeante actuelle devrait être organisée de façon à protéger les institutions républicaines, éviter le pillage des ressources publiques et prévenir un déchoucage généralisé qui ne pourrait qu'accroître la misère du peuple haïtien et retarder davantage le développement économique du pays. Pour cela, nous, citoyens et citoyennes appartenant aux forces vives de la société haïtienne, créons une passerelle qui est une structure d'interface pour faciliter dans un délai limité à un mois. 1. La construction d'une entente politique de transition entre les forces sociales et politiques du pays engagées pour le changement, notamment prenant en compte la définition des mécanismes de gouvernance de la transition, le choix des personnalités appelées à constituer le gouvernement de sauvetage national et la feuille de route de ce gouvernement. 2. Le départ ordonné du président de la République, son excellent Jovenel Moïse. 3. La condition du retrait de tous les parlementaires de la 50e législature, les conditions. 4. La mise en place d'une structure citoyenne de contrôle de l'action gouvernementale. La passerelle bénéficiera de l'appui des Haïtiens et Haïtiennes du pays et de la diaspora pour accomplir sa mission. Elle pourra faire appel à des experts et à des professionnels de haut niveau pour l'assister dans l'exécution de son mandat. Nous, organisation de défense des droits humains, patronales, syndicales, paysannes, universitaires, la société civile signataire de la présente déclaration constituant une coalition d'acteurs, proposons les 7 personnalités suivantes issues de différents secteurs pour jouer le rôle de facilitation entre les parties prenantes. Bernard Crane, c'est nous qui avons choisi, Carole Demesmin, Castel Germain, père, prêtre catholique, docteur Sophia Loréus, docteur Charles Maniga, Sabine Maniga, le maître Zéphir, les membres de la passerelle s'engagent à exercer leur mandat à titre bénévole et à ne pas intégrer le gouvernement de sauvetage national. Chers compatriotes, citoyennes et citoyens haïtiens, nous nous engageons solennellement à réaliser les termes de cet appel avec votre support en mettant tout en œuvre pour assurer la mise en place
place de la passerelle et l'installation d'un gouvernement de sauvetage national. Pour authentification, Jocelyne Collat et Edouard Paul, Port-au-Prince, le 10 octobre 2019, banon ont idée de organisation qui en dedans et bagay ça, annual organisation syndicale yo d'abord, gen Action Nationale des Chauffeurs, Association des Chauffeurs Canapé Vert, Association des Chauffeurs et Conducteurs Haïtiens, Association des Chauffeurs et des Travailleurs Haïtiens, Association des Chauffeurs de Transport Routier de la Grandance, Association des Chauffeurs Haïtiens, ACA, Association des Conducteurs et Chauffeurs Haïtiens, Association Chauffeurs des Propriétaires et Chauffeurs de la Plaine du Cul-de-Sac, Association de Transporteurs de Gantier, Association des Transporteurs de la Croix des Bouquets, Association des Transporteurs Publics Bonnet, Association Nationale des Camionneurs Haïtiens, Brigade Syndicale Anticorruption, Centrale des Syndicats et des Travailleurs Haïtiens, Centre de Développement Communautaire, et Cercle des Transporteurs Haïtiens, Coalition des Chauffeurs des Travailleurs Haïtiens, Confédération des Travailleurs Secteur Public Privé, Coopération Nationale des Syndicats et Transporteurs Haïtiens, Coopération Nationale des Syndicats et Transports Haïtiens, Coordination Syndicale Haïtienne, Fédération des Transporteurs Publics de la Croix des Bouquets, Fédération des Transporteurs Publics Haïtiens, Fédération Haïtienne des Travailleurs Artisans et Professionnels, Fédération Nationale des Travailleurs de Santé, Fédération Nationale des Travailleurs en Éducation et en Culture, et Flambeau Justice, Coller les épaules pour redresser nation, Mouvement unifié des transporteurs haïtiens, Plateforme nationale des syndicats et transports fidèles, Plateforme nationale des syndicats transports haïtiens, Plateforme des associations des chauffeurs de taxi d'Haïti, Plateforme des syndicats transports d'Haïti, Rassemblement des chauffeurs de tap-tap d'Haïti, Rassemblement des chauffeurs et du département du Sud, Secteur transport terrestre haïtien, Secteur transport terrestre Haïti, Syndicat Transport Fédéré Métropolitain, Syndicat de Chauffeurs de Propriétaires de Poids Lourds Haïtiens, Syndicat de Chauffeurs Publics, Département de l'Ouest, Syndicat Chauffeurs Taxi Moto, Syndicat Chauffeurs Transport Public, Syndicat Chauffeurs Propriétaires Actifs de Fonds Verrette et du Sud-Est, Syndicat des Chauffeurs de Transport Propriétaires de Transport d'Haïti, Syndicat Chauffeurs et Propriétaires d'Eau et des Passagers, Syndicat des Opérateurs de Poids Lourds Haïtiens, Syndicat de Propriétaires et Chauffeurs du Nord, Syndicat des Transports du Cap-Haïtien, Syndicat National des Chauffeurs de Poids Lou, Vaudouisan, Association Lacou, Authentique Vaudou unifié pour une autre éducation, et Bataille Vaudouisan conséquent, Femmes et Dantillo, et Grand Famille Dao Saint-Michel de la Talaye, Confédération Nationale Vaudou Haïtien, Confédération Vaudou Nationale Internationale Révolutionnaire, Lacou Badjo, Lacou Derial, Lacou Campèche, Lacou Sec, Adano, Lacou Vaudou Chawa, Mission religieuse, spirituelle et culturelle Vaudou Haïtien, Organisation Lepfi Bao et Société Alouba Haïti, Société Zila FL, Souvenance, et puis pour organiser droits humains, il y a une commission haïtienne pour le respect des droits humains, il y a un conseil haïtien des acteurs non étatiques, il y a ensemble contre la corruption, qui a toute la donne, à savoir RNDDH, et CARD, et tout, etc., etc. Gen Flambeau Justice, gen Programme Alternatif de Justice, gen Organisme Communautaire tant qu'une association pour une société civile équitable, Centre de Développement Communautaire, Comité d'Union et de Support aux Municipalités, Collez Épaules pour Redresser Nation, Combite pour Cultiver et Reboiser la Terre, Revendication Peuple, Organisation de Femmes et de Jeunes, Organisation Jeunes pour Avancement Vaudou, Association pour Développement Monde Organisé, Association culturelle des jeunes de Terre-Neuve, Association des jeunes progressistes du Nord-Est, Association pour la promotion de l'art, Compagnie culturelle Jacques-Stéphane Alexis, Femmes en association pour le développement social, Flambeau Justice Femmes Jean Mara Jacinthe, Force Nord-Est, Jeunes en action de Wanamène,
La chambre d'écriture, les femmes d'abord, mouvement femmes valières, nous papes complices, petite lacaille compagnie, réflexe compagnie, unité des jeunes pour le développement meilleur et de les anglais, organisation paysanne tant coup 4G contrée, mouvement paysan papay, mouvement paysan national congrès papay, etc. Tête collée ti paysan haïtien, TK, coordination régionale des organisations du sud-est, et puis organisation patronale, il y a chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, chambre de commerce et d'industrie du centre, chambre de commerce et d'industrie de la Grande-Anse, chambre de commerce et d'industrie de l'ouest, chambre de commerce et d'industrie du nord, chambre de commerce et d'industrie du nord-est, Association des industries d'Haïti, ADI, American Chamber of Commerce, AMCHAM, Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie. Mes amis, là, c'est tout pays, moi, ouais, qui m'a dit changement ça. C'est tout pays net, toute structure pays, nous, ouais, en dedans, bagaille ici, là, et ça fait nous perdre du temps pour nous lire tout, pour nous être sûr de qui ça. Que n'a parlé. Et puis, on nous dit que ça gagne en Haïti a incité la presse internationale, Lovensky, à pencher sur le cas d'Haïti, en pile article de journaux, gagne nous te compté lit, mais nous pas bien temps, puisque le gagne temps a fait dans la guerre, nous espérons inviter gagne vini déjà, on a demandé l'autre pour faire diligence. Rivé, gagne par exemple le journal, même titre nous kawe, kek nan yo, le journal Libération en France qui dit la France doit soutenir les peuples haïtiens et cubains. Oui, ça a son bon article. Gagné de Guardian qui dit Haïti et les fausses promesses d'aide des États-Unis, mais qui a parlé de crise là. Gagné Europe 1 qui dit des morts sans importance, ça n'a pas fonti campé sous lit. Et puis Haïti, une conscience citoyenne est en train de naître. TV5 Monde, Jovenel Moïse, un président mal élu et bien corrompu, selon le journaliste François Vincent Hervouette de Europe 1. La colère de la rue persiste contre le président dans l'indifférence internationale. Et donc, c'est des articles qui parlaient de situation haïtienne et janvier et jodian, Lovensky prétend kabla pour ne partager et article ça de des morts sans importance en Haïti. Vraiment, très bel article de Europe 1. Et en France, c'est que m'inviter que nous partager à Rennes. Détails sur citron.fr. On tue. À Haïti, les manifestations sont réprimées dans le sang, des dizaines de morts et des centaines de blessés. Et malgré ce terrible bilan, la contestation ne faiblit pas contre un pouvoir englouti dans les scandales et gangréné par la corruption. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Mathieu, bonjour Sonia. Les manifestants réclament la démission du président haïtien. Alors les barrages paralysent Haïti, les écoliers n'ont pas fait leur entrée, les magasins ouvrent quelques heures par semaine, il y a pénurie de tout, surtout d'essence, et sans générateur, il n'y a plus de courant, pas d'eau non plus. Conséquence, les malades meurent à la porte de l'hôpital, le Sud a faim. Les manifestants ne font pas une révolte, ils croient à la révolution. Elle est lente, pauvre, usante. Ils veulent la tête de Jovenel Moïse, un président mal élu et bien corrompu. D'habitude, il se cache. Il y a 15 jours, il est apparu à la télévision, mais à 2h du matin, il a appelé au dialogue. L'opposition a opposé une fin de non-recevoir. Entre le fantôme et les furieux, on est chez les morts-vivants. De temps en temps, la police ou des gangs tirent dans le tas. Une ONG a compté 17 morts et 10 fois plus de blessés en septembre. Si Haïti se noie, et le monde se fiche de ces morts sans importance. Les Haïtiens ne risquent pas de débarquer à Lampedusa, ils ne sont même pas islamistes, ils n'ont pas d'argent comme à Hong Kong, il n'y a pas d'idéologie comme au Venezuela, c'est juste un pays abonné au malheur. Après l'esclavage, la révolution, l'occupation américaine, Duvalier, Aristide, le tremblement de terre, Haïti découvre une autre calamité, la mondialisation qu'il ignore et la France qu'il a oubliée. Mais c'est important d'en parler. L'éclairage international de Vincent Hervé. C'est tous les jours dans le journal. Voilà, voilà, reportage de Europe
un qui parlait d'un président et mal élu et bien corrompu. Dans l'article, ça, non, ouais, que yo dou, que le monde pas intéressé à Haïti parce que nous pas gagné pétrole, même j'ai Venezuela, nous pas gagné idéologie. C'est tout simplement un peuple de misère. Donc, yo quitté nous à souffrance, nous gagné un journal Libération qui appelait la France pour soutenir les peuples haïtiens et cubains, gagné un pile parlementaire français et des membres de la société civile. Au nom de ces parlementaires, nous avons cité par exemple Gabriel Serville, qui est député de la Guyane, président du groupe d'amitié France-Haïti, François Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône, du groupe d'amitié France-Cuba, et Franck Selizy, Cézili, professeur à l'université de Bourgogne, France-Comté, professeur associé à l'Université d'État d'Haïti, président de l'association caribéenne, initiative tout le monde sa yo, qui mandait la France pour le voir les yeux sous pays ça, qui appelait la France, la diplomatie française, à un sursaut face aux situations de crise que traversent ces deux pays et des grandes Antilles, à savoir Cuba et Haïti, et donc tribune, donc alors dans l'article ça, il dit que Haïti a traversé une crise sans précédent, mais on dirait que pays et quoi la France pas intéressé à ça qui a passé et là, donc c'est pour ça yo mandé pour le temps voyez yon coup d'œil et sous nous, yo dit depuis plusieurs mois de drames à l'issue incertaine ce jour dans les deux pays frères de pionniers de l'affirmation de l'autonomie des peuples de la Caraïbe, Haïti et Cuba, distincts dans leur intrigue et leur intensité. Ces deux scènes n'en sont pas moins l'une et l'autre la tragique conséquence de la vision ultra-libérale et de la posture néo-coloniale promue par l'actuelle administration états-unienne. En face, par manque de courage ou tout simplement d'intérêt, la communauté internationale se tait. La majorité silencieuse est aussi une figure de la lâcheté dans la politique des nations. En Haïti, la faillite d'un système imposé de l'extérieur par avec l'aberrante constitution de 87 apparaît au grand jour, l'incapacité récurrente des gouvernements et des corps constitués à assurer au pays un minimum de stabilité et de prospérité, à lutter contre la corruption et la précarité accrue due au changement climatique est devenue encore plus patente sous la mandature de l'actuel président Jovenel Moïse, encore soutenu aujourd'hui par les États-Unis, mais rejeté par une très large portion de la population haïtienne. La crise couvait suite aux désastres naturels qui ont dévasté le pays à plusieurs reprises, détruisant habitations, infrastructures et moyens de production, rendant encore plus compliqué l'alimentation en eau. Elle s'est aggravée ces derniers mois avec le scandale Petro-Caribé, dans lequel le président et d'autres personnalités politiques sont soupçonnés de graves détournements de fonds, mais aussi les exactions et meurtres régulièrement commis par des gangs violents et surannés liés à différentes factions que la police en déroute ces derniers jours n'a pas les moyens de réprimer. Journal Libération en France qui citait en pile parlementaire français qui mandait la France, c'est pas possible. Faut le tourner les yeux vers pays ça qui vient en tête lié au président corrompu que la majorité pays a rejeté, mais que c'est États-Unis qui a supporté le qu'il vient, qui fait que là, toujours. C'est ça, le journal Libération en France écrit dans pile l'autre article. Certainement, faute de temps, nous pas bien temps, vini sous yo. Merci, puisque nous, ouais, ramassé après le démarrer tout de suite là, puisque en pile invité guettant là, n'a pas l'observer en petit cause tout pour tout coûte. Merci de votre fidélité à cet espace. N'a pas observé pause là, j'en dis là, n'a pas tourné tout de suite pour émission ramassée.